Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'examen d'un casque, le Mixdair E9 avec réduction de bruit. Alors, nous allons jeter un coup d'œil à ce casque bon marché, avec réduction de bruit vendu sur Amazon, avec un retour positif de 79%, et surtout à petit budget de 69€. Et c'est parti pour le déballage du Mixdair E9. Alors, la boîte vient accompagnée d'une mallette de transport semi-rigide. Une notice d'utilisation disponible en plusieurs langues, même si c'est tout à fait simple et intuitif. Un petit document de garantie et présentation du site Mixdair. Aussi dans la boîte, nous trouverons un câble jack audio 3,5 mm, mâle des deux côtés d'environ 1 mètre. Un câble USB pour recharger le casque. Nous avons également dans la boîte un adaptateur pour que nous puissions l'utiliser, par exemple pour écouter l'audio dans les avions ou les trains lorsque nous voyageons. Le casque sans fil Bluetooth 4.0 équipé ANC, autrement dit activation réduction de bruit, qui pèse 255 grammes environ, a une autonomie de 30 heures de temps de jeu sans ANC et 22 à 24 heures avec ANC, avec une sensibilité de 94 décibels. Alors si vous aimez les casques avec beaucoup de basse, ce casque n'est pas vraiment fait pour vous. La conception et la matière sont très élégants et très confortables, combinés avec des coussinets d'une taille unique, assez pour couvrir l'oreille d'une manière intégrale. Les matériaux donnent une bonne apparence, la qualité étant principalement une combinaison de plastique et de métal. Les oreillettes ne sont pas en cuir mais plutôt du simili-cuir. Cela dit, reste confortable. Après plusieurs heures d'utilisation intensive, cela n'a pas d'effet désagréable. Vous pouvez adapter facilement la longueur du serre-tête pour l'obtention d'un ajustement approprié. Pratique pour moi qui utilise des lunettes. Des boutons physiques se trouvent sur les oreillettes, vous permettent d'allumer et d'éteindre le casque, mais également d'appairer avec des appareils Bluetooth. Le port micro USB qui permet de recharger le casque. On
trouve bien le volume plus le volume moins. Également le bouton qui permet d'allumer la réduction du bruit. Un port jack 3,5 mm pour l'utiliser en mode filaire. Et un micro que j'ai cru à un bouton reset qui sert à communiquer lors des appels téléphoniques. L'appareil s'effectue en laissant le bouton d'alimentation appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en rouge et en bleu. Nous pouvons maintenant localiser Mixder E9 dans la liste des appareils détectés. Le bouton marche arrêt vous permet de mettre en pause la musique. Et le bouton plus et moins vous permet d'augmenter ou réduire le son. Mais également pour passer d'une musique à une autre. Conclusion, les casques d'écoute avec réduction de bruit ont normalement un prix très élevé. Aujourd'hui, le prix de ce casque est de 69€. Très élevé mais compétitif. Puisque les écouteurs avec réduction de bruit de marque spécialisée dans l'audio sont à partir de 150€ et leur modèle le plus célèbre va vers 330€ voire même plus. Donc les matériaux donnent une bonne impression et comme je l'ai dit, il est très confortable. Je l'utilise depuis plusieurs jours. Donc si à la fin de la journée vous cherchez un équilibre entre le confort et la qualité audio, ce casque est fait pour vous. La qualité du son est assez bonne pour cette gamme de prix, assez puissant et clairement supérieur à d'autres casques de la même catégorie, avec un prix plus bas que ceux qui sont déjà sur le marché. Pour moi, c'est plutôt un son neutre, qui ni les basses ni les aigus se distinguent, en particulier pour moi. C'est le point de vue de quelqu'un qui n'a pas d'oreille musicale. Le casque peut être utilisé également pour recevoir des appels, mais n'y comptez pas trop car le son est assez faible, sauf si vous avez l'habitude de crier pendant vos appels. Le bouton de réduction de bruit ne se désactive pas avec l'arrêt du casque. Pensez à le faire pour éviter de le décharger, ce qui est gênant. Globalement, je suis plutôt satisfait de la réduction du bruit qui me permet par exemple actuellement de ne plus entendre le son des ventilateurs du PC, surtout si vous avez un PC gaming. Mais ne vous attendez pas à ne rien entendre, comme je disais, on n'est pas sur un casque de 300€. Donc, si votre principal argument d'achat fait l'objet d'annulation de bruit complet, vous devez chercher un modèle plus cher. Je vous laisse le lien du produit dans la description comme toujours, de sorte que vous jetez un coup d'œil ou que vous en procurez un. Et voilà tout pour aujourd'hui, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et si vous voulez être à jour avec plus de vidéos comme celle-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.